train de me dire que si j'avais pas shooté le mec là, et peut-être qu'il pourrait me faire rentrer. Mais maintenant c'est trop tard. Ah! Je l'ai pas fouillé. Il y a peut-être les clés. Ah bah non, je l'ai fouillé. Taquer le mec là. Hein. Patriotisme. Patriotisme. Yep. Thank you. Oh, nice. Open it. Oh, merci. Accès restreint, mais je veux pas avoir un accès restreint. Quitter. Alors là, comment je vais me faire plaisir là-dedans, les enfants? Je vous le dis tout net, pack d'énergie pour Prime. C'est toi Prime? Prime. Ok, ça c'est quoi? Grenade à suppression? Mine? Amélioration cadence de tir. Take it. What? Genre il est plein mon truc. Fusil à pompe, fusil d'assaut. Faisons un petit check-up dans nos trucs là. J'ai un fusil. Ça me saoule, ça me sert à rien. J'ai limite envie de le balancer. C'est une cadence de 2, c'est ça, hein? Examiner. Ah, on peut carrément examiner comme ça le truc. J'aime pas cette arme-là. Je sais même pas pourquoi on me l'a donnée. Quoique celle-là est moins efficace. Le problème, c'est que je suis sûr que ça tire plus de trucs. Hein. Capacité de chargeur 2. Et toi? Capacité du chargeur 1. Enfin bref, c'est pas des armes terribles, terribles quoi. Hein. Faut être honnête avec vous. Plus ça prend une place de dingue. Cartouche de fusil à pompe. C'est les mêmes. I guess so. Tu prends tellement de place par rapport à lui, tu me diras. Examiner encore, excusez-moi, je suis désolé. 2, 2. 2, 2, 6, 2. Zut, 2, 2, 6, 2 contre eux. 2, 3. Pouh, énormément plus de dégâts quand même. Ok, jette ça, c'est trop grand. Throw it. Q. Récupère maintenant la cadence de tir juste là. Utilise-la tout de suite sur je sais pas quoi. Combiné. Sur toi cette fois-ci. Yep, indeed. That's nice. Lui, il m'intéresse. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va être bien, lui. Prime. Combien de place il utilise? Examiner. Oh, c'était chier! Ah, c'est un truc pour assommer les ennemis! Un. Interesting. Ouais, je le garde. Carrément que je le garde. Ça, je vais jeter, ça prend de la place. 50 balles pour l'arme de poing, je pense que ça suffit. Give it to me, give it to me, give it to me. Parfait. Balle, 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 balle. Vous savez quoi? Tiens, toi d'ailleurs. Hop, ça fera ça en moins. Déplacer là. On va mettre un tout petit peu d'ordre dans nos affaires. Just for the. Oh shit. Comme ça. Et voilà, c'est pas mal comme ça. What do you think about it? Hop. Et hop. Allez, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Parfait. J'ai que 3 balles avec ce truc, c'est pas terrible. Les grenades, on les prend. Les mines, on doit pouvoir les prendre aussi, du coup. Ah, ça prend de la place. Ah, c'est une par place. Dégage. Jeter. Ça.
Fusil d'assaut, j'aimerais bien, mais j'ai pas assez de place. Ok, bah c'est bon, ça me va. Ça me va, ça me va. La 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 la. Hello. Hello. It's me. Je suis gentil, pas de soucis à se faire. J'aimerais bien aller là. Je sais pas comment je peux y aller. Il y a un truc ici. Oh. Merci bien. Ça non, j'ai déjà 5. Oh, hello. Revue de politique mondiale, édition 2026-5, le bouclier européen. Depuis la dissolution de l'OTAN suite au repli des États-Unis de plus en plus préoccupés par des problèmes internes, l'Union européenne tente tant bien que mal de combler le vide laissé par la perte de son principal allié outre-Atlantique. Malgré son côté ambitieux, l'entité créée pour remplacer l'OTAN, l'Alliance de défense commune européenne, reste plombée par une lourde bureaucratie. Confrontée à une fédération de Russie de plus en plus agressive, l'Union européenne se divise entre les aigles prêts à arracher les griffes de l'ours et les colombes désireuses de l'apaiser. Malgré les tentatives pour maintenir un semblant de consensus, les dissensions et les rivalités couvent juste sous la surface du vieux continent, menaçant d'éclater à tout instant. Les tensions sur les questions économiques et le contrôle des frontières mettent à l'épreuve les liens entre les nations européennes, poussant la relation vers le point de rupture. Intéressant, j'aime bien ces trucs de géopolitique. Maintenant, j'aimerais vraiment rentrer là-dedans. Lieutenant Leboeuf, c'est vous, Lieutenant Leboeuf? No. Jensen, qu'est-ce que vous faites ici? Le commissariat est interdit au personnel superflu. Je me casse alors, ne vous inquiétez pas. Savez quoi? On va faire un truc. Sauvegarder. Yep. Merci. Je vais tester. Oups, pardon pour ça. Je vais tester. Si je me fais agresser pendant que j'ouvre ça. Pendant que je le pirate, on va dire. Je me barrerai, ok? Enfin, je recommencerai la sauvegarde. Wow. Wow. Deux. Ok. Moins 2, vite. Oh, plus 2. Vite. Ouh, dépêche-toi, vite. Accès autorisé. Bon, ça a pas l'air de déranger qui que ce soit que je fasse ça, mais bon. Ça, c'est le côté un peu irréaliste de la chose, je trouve. Mais bon, c'est des petits détails comme ça de ta vie. Ah ah, elle est où? Oh, code. Voilà, lieutenant. Le code d'accès au bureau de Jenny Alexander est 3727. Ah ouais, et pourquoi t'auras besoin de savoir ça, toi? 3727. Jenny. Alex. Intéressant. Yes. Fusil à pompe, ça rentre toujours. Yep. It fits. Well. Le bœuf, je crois pas avoir son mot de passe. Ça, je peux barrer. Il reste plus que Morgue et Jenny. On va pirater. Pirater. This. On est straight to it, hein. On va pas se casser le chou. Même si ça se dit pas, vite. Accès autorisé. Thank you. Pirate intermédiaire. Lieutenant Clayton Leboeuf. Activité des gangs. Clay, de plus en plus de ces gangsters augmentés s'approchent de notre périmètre de sécurité. S'ils continuent comme ça, il y a un risque que le grand public apprenne ce qui se passe vraiment ici. Il se passe quoi?
Jackie va prendre contact avec toi. Apporte-lui tout le soutien nécessaire. Inspectrice Jenny Alexander, cache d'armes. Lieutenant, je crois que je tiens une piste sur la cache d'armes des flambeurs de Derek Lickrow, un des individus dont j'ai gagné la confiance, fanfaronné au sujet d'un endroit caché sous le plancher d'un vieil immeuble en ruine de Derek Lickrow. Je sais que nous en avons déjà discuté, mais je vous suggère fortement de reconsidérer votre position et de me laisser y aller. En fait, je crois que nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. À mon avis, il y a du deal interne, hein. Enfin, pas du deal interne, mais du... de la magouille. De la magouille de flic pourri, ça sent. A également fait part de son désir sincère de se présenter devant la... Troisième étage. Detective offices. Who are there? Oups, hello. Ça, c'est pour l'alarme. Wow! Flippin' heck! On n'est pas rendu avec ça. Hello, hello. Nice to meet you. Who are you, man? I don't know. As always, I never know. Ah, c'est la salle d'inspection. Si je rentre là-dedans, je suis dans la merde, à mon avis. Je pense. Quelque chose me dit, hein. Je voudrais bien y aller, mais je sens que je suis dans la mouise. What about that? Chut. Hop. Wow, intéressant. Top, 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 top. Shit. Oh God. Je suis pas là. Bon bah y'a rien de très intéressant, hein. Faut se casser, hein. Cassons-nous. Toujours pareil, je vais checker la place. C'est bon, je peux me transporter. Je peux stacker les disquettes. Ok. Next one. Oh! Yes, please! Toujours bon d'avoir des sous. Oh, hello. Oh. Who are you? Oh, Wagner! C'est qui déjà Wagner? Wagner, ça m'intéresse, hein? Ouais, d'accord. Wow! Wow, wow, wow! Complexe, complexe. Récupère. Non, je peux pas. Ah oui, je peux récupérer ça. Wow. Arrête. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Je comprends. Accès autorisé. J'ai pas compris comment ça s'organisait. J'ai préféré faire un arrêté parce que ça allait trop vite. Message envoyé. Par l'inspecteur Chet Wagner. Alors, on va recommencer du début, histoire d'être plus clair avec le truc. Écrit par Brian de Bern en premier. Salut, on a un putain de gros problème, mec. Les mecs à qui on avait fait peur sur le territoire de l'aéroport continuent à venir. Je croyais qu'on avait un accord, mec. Tu touches une part du gâteau, mais tu te démerdes pour qu'ils viennent pas me faire chier. Comme ça, je me fais plus de blé en vendant le matos. T'es complètement débile ou quoi, hein? Tu veux venir chez moi aussi et foutre un putain de panneau qui dit « Je fais des affaires avec des trafiquants de drogue sur ma pelouse ?» Il pourrait intercepter mes emails, triple connard. Faut jamais laisser des preuves écrites. Putain d'enfoiré. Et puis achète-toi une paire de couilles. Lopez. Faut que je me tape tout le boulot. Je t'emmerde, mec, je t'emmerde. Ok. Bonjour à tous, la sécurité intérieure a enfin mis en place son programme de cours. Donc la semaine prochaine, chaque agent aura un entretien en tête-à-tête avec Joseph Manderley, son représentant. Chacun d'entre vous sera averti sous peu de l'horaire de son entretien. Ces cours sont obligatoires, ok? Ce petit message pour vous remercier de votre aide dans l'enquête des Serif Industries.
nous avait aidé à gérer une situation délicate, nous n'oublierons pas. Inspecteur Bill, hein. Détective Fad Moyes, rencontre. Bonjour, inspecteur Wagner. Je suis un collègue du 76e commissariat et j'ai appris que vous faisiez partie de l'équipe d'enquêteurs désignés pour l'attaque contre Sarif Industries il y a quelques mois. On vient de me confier l'attaque contre l'usine de Sarif, vous devez être au courant. J'aimerais vous rencontrer pour connaître votre sentiment sur ces attaques. On pourrait voir si des pièces à conviction, des témoignages se recoupent. J'attends de vos nouvelles. A bientôt, inspecteur Fred Moyes. Fred Moyes. Je sais pas qui c'est, mais c'est intéressant. Ok. Bon, bah, tout ça c'est cool, mais ça me dit pas grand chose. Du coup, on est chez Wagner ici en fait. Si je comprends bien. Shit. De qui il parle comme ça? Mais pourquoi on laisse faire des émissions à ce gars-là, quoi. Plus, plus, plus. Thank you. Ok, y'a quoi derrière ça, là? Rien. Là, y'a quoi? Système de déverrouillage. Prendre. Ça stack, ça, ou pas? Yes, cool. Non, inutile. J. Alexander. Eh, c'est ma copine! C'est ma copine! Du coup, j'ai plus besoin de son code d'entrée, puisque je viens de le trouver. En revanche, j'ai besoin de la pirater. Pour voir qu'est-ce qu'elle raconte. What are you talking about? Alors. J'ai méchamment envie de faire ça, en fait. Oh yeah! Bien! Avant cette petite pause rock'n'roll, on parlait de choses sérieuses. Alors reprenons. Je viens d'avoir au téléphone une dame de Floride. I knew it. Accès autorisé. Alors. Wow, c'est quoi ça? HanktheTank@callingmask.net. C'est chelou ce message. Tu fais la pute maintenant? Salut Jenny, je me balade du côté de Grand River. Ah, c'est ça. Grand River Road, c'est ça que je dois noter. Pour aller la trouver. Grand River Road. Grand River Road. Ok. Jenny. Et je suis presque sûr de t'avoir vu sur un carrefour. Fringué en fille de nuit. C'est quoi cette histoire? T'as rendu ton insigne? J'espère que t'as gardé les menottes. Bref, rappelle-moi, on se fera une bouffe. Hank. PS. J'imagine que c'était une mission d'infiltration, sinon pas la peine de me rappeler. Munchies. Les flingueurs. Comment va ma petite fliquette? J'ai des informations qui pourraient t'intéresser sur des petits copains, les flambeurs de Derek Lee Crowe. Je les ai vus apporter des flingues dans une planque à Derek Lee Crowe. Il y a un de leurs chefs et un sale enfoiré avec un fusil. Il a le code de cette planque sur un de ses carnets électroniques. Un autre truc. Si tes gars font une descente, faites gaffe au couloir de maintenance entre Derek Lee Crowe et cet endroit près de l'immeuble Chiron. Ils y ont laissé quelques soldats. Bon, ça fait deux tuyaux, deux. Alors je veux le double de ma récompense habituelle. Si tu m'envoies chier là-dessus, tu peux aller te faire voir pour que je t'aide encore. Cool. Maintenant, j'ai envie de tester quelque chose. J'ai envie de tester... Something like... Nope. Yep. Ah, il y a ça aussi, là. C'est d'autres bureaux, ça, j'imagine. Vite! Bon, moi je testerai plus tard en fait. Je testerai plus tard. Oh god. No. Tu sais, ce film des années 80, il y a un flic qui se fait cribler de balles et ils le reconstruisent comme un cyborg. Celui avec Van Damme? Non, pas celui-là. Ah, j'en reviens pas que tu le connaisses pas. Ça se passe à Détroit, dans le futur. Qu'est-ce que tu veux? La SF, c'est pas mon truc. Il y a des trucs là-dedans? Il y a rien là-dedans. On se barre de là. Useless.
Mais en revanche, là, il y avait quoi? Rien de très très... Oh, shit.